Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Aujourd'hui, on est mardi, il fait un temps pourri et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ginette. 9 ans. Bah quoi? Pourquoi je prends 9 ans? 9 ans. 9 ans. Ah, 9 ans. Bon, ça fait quoi de prendre 9 ans? Salut toi. J'en fais plus grand de... Tu te sens plus grande d'un demi centimètre, c'est ça? Non. Beaucoup. Bon, t'es contente? Oui. C'est ta journée? Oui. Journée sans corvée? Ouais. Ouais. Bon. Ben oui. Présentement, il y a aussi. Patapou. Il y a Petit Guélard aussi. Mais quand je vous dis petit gueulard, c'est petit gueulard. Bon, allez, va finir ton bol, le golem. Bon, ouais, on est mardi, rien de... C'est... Je me suis levé un peu à la bourre ce matin. Oui, il y a l'école. Je me suis très mal réveillée. Enfin, j'ai très mal dormi. Donc, voilà, quoi. T'as fait dodo? Oui. C'était bien, le dodo? Oui. T'as pu réfléchir à tes futures bêtises? Non. Non, ah bon. Ça veut dire que tu vas être sage? Oui. Oh. Bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, oui. Tu veux un gâteau? Ouais, moi aussi, tiens. Non, t'as eu des céréales. Tu veux ça? Ah oui, ça va. C'est ton anniversaire. Hein. C'est pas le jeu, la journée foire ouverte. Hein, donc... du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Redonne-lui son gâteau. Audin est dehors. Il n'a pas fait de bêtises. Donc je pense qu'il a compris sa punition. Non, il a pas fait pipi. Il a compris sa punition. Donc il a compris la punition comme toi quand je te punis. Et quand tu reviens, c'est que t'as compris ta punition. Oui. Bon bah voilà, bah non, c'est pareil. Alors enfin quoi que toi, tu recommences 5 minutes après. Voilà. Ça c'est dit, bah non. Allez, déjeune toi. Mon chéri est réveillé, mais il a mal au crâne aujourd'hui. Il a planté. Ouais, il a pris un thé. Voilà. Là, je vais déjeuner mes petites biscottes avec... Ah, j'ai du mal ce matin. Avec ça et ça. Voilà. Et après, on va aller les déposer à l'école. Bon, bah, on est à la bourre. Hier, à 26, on était dans la voiture. Aujourd'hui, il est 30. Il manque Kevin. Donc, c'est top, quoi. Enfin bon, après ça va, mais c'est question place, on n'a pas beaucoup de place à l'école. Et à chaque fois, c'est la galère quoi, pour aller conduire les enfants. Bref, on va déposer Germain et Gertrude. Je suis pas Gertrude, je suis Miss Anniversaire. Miss Anniversaire. Et après, j'ai une petite course à aller faire. Faut que je voie avec Kevin ce qu'on va faire et ce qu'on va manger ce soir. Je sais pas. Et il faut que je lave aussi ce conteneur poubelle. Voilà, en fait, les poubelles sont passées ce matin. Et comme toujours, le mien, il est à Babalouette. Alors que tout le monde, bah, c'est bien mis. Il n'y a que le mien. Des gros feignants de Richebourg. Des gros feignants. Bref, il y a ça. Il faut que je lave le tapis dedans dès que je rentre. Il faut que je lave. Comme de toute façon, il passe sa journée dehors. Il faut que je lave dès que je rentre. Il y a une tournée de serviettes aussi. Et il faut que je négocie avec Kevin pour qu'il me remette mon séchage en route, histoire que je puisse rattraper un peu mon retard
Bah, de linge, hein, clairement. Trois enfants, deux adultes, le linge, ça s'accumule vite. Bon. C'est parti, on va y aller, Black Kevin. J'ai mis une couche au cas où s'il roule comme un crétin. Re tout le monde. Voilà, chaque fois que je me mets à vloguer, je baille. Ah, c'est maladif, hein. Bref, il est 1h05, enfin moins 10. Kevin est parti au boulot, ça y est. Et studio. D'ailleurs, il m'a gavé là, clairement. Il vient seulement de s'apercevoir qu'il a une formation courant la semaine prochaine. Et qu'il sera absent 3 jours. C'est logique. Bref. Donc bah du coup il va falloir que j'y fasse sa valise. Ouais, je suis deg. Donc là il va quand même falloir qu'on aille faire des courses. Des courses ce week-end. Tant pis, il va falloir qu'on y aille et faire plein de la voiture parce qu'il y va avec la voiture, bien évidemment. Parce qu'il ne veut pas prendre la sienne, enfin, il veut pas se faire conduire lui. Voilà. Nini, il est au dodo, donc là j'expérimente, oui, voilà, ça se dit. Laisser le store ouvert, mais le rideau fermé, lui, c'est un rideau opaque qu'il a. Du coup, c'est noir. Et c'est pas opaque, c'est occultant. En plus, je dis des conneries aujourd'hui, moi. Et du coup, ça fait que déjà dans la chambre, il fait assez sombre. Donc, c'est suffisant. Donc, je vais voir s'il arrive à dormir comme ça. S'il y arrive, du coup, les après-midi, je ferai que comme ça maintenant. Comme ça, il s'habitue un peu à dormir dans le jour. Et des fois, quand il a besoin de s'endormir dans le canapé, il pourra. Voilà. Pardon, il faut que je donne à manger à Oda. Et voilà, rien de. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Je suis fatiguée, je suis réveillée depuis 2 heures là. Enfin, mon subconscient est réveillé, mais mon corps dormait quoi. Mais du coup, ça fait que le lendemain, je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Et du coup, ça fait que je suis claquée. Donc, j'arrive pas à récupérer comme c'est comme ça. Donc là, je vais regarder ce que j'ai à regarder sur YouTube. Là, j'ai un petit truc vite fait à regarder. Et puis, je vais aller m'allonger. Je vais faire ça. Il faut que je fasse le gâteau d'anniversaire de Killy aussi. Parce que, bah, vous le savez, aujourd'hui, c'est son anniversaire. À mon boudin. Mais il faut que j'y fasse son gâteau parce qu'elle ne sait pas, mais ce soir elle le fête avec nous. On lui fait un petit repas avec nous, quoi. Et puis. Comment? Elle sait pas que. Elle sait que normalement on le fait ce week-end avec papy et mamie. Voilà. Mais elle sait pas. Que. On fait ce soir. Voilà. Comme ça, elle sera contente. Oh, il faut vraiment que j'aille m'allonger. J'ai la tête dans le cul. Ah, j'ai du mal. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire. Je finis mon lave-vaisselle. Et je vais mettre un truc à la télé. J'ai le deuxième épisode des Bracelets Rouges à regarder. Parce que, comme je vous ai dit, je peux regarder qu'un épisode quand ça passe. Parce qu'après, Kevin, quand il rentre, en fait, il me raconte sa journée. Mais hier, il me l'a pas raconté, mais ça le saoulait, en fait, les bracelets rouges. Il est pas trop film comme ça, Kevin. Donc du coup j'ai changé, mais comme je peux l'avoir en replay, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas quoi.
Donc voilà, je vais faire ça et puis. Il faut que je prépare les papiers pour demain pour la voiture. J'ai carrément du mal. Re-coucou tout le monde! Bon, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, je suis désolée, mais j'étais pas très bien tout à l'heure. Juste après manger, j'étais pas terrible, terrible. Et je voulais vlogger sur la route au retour de l'école des enfants, mais problème, plus de batterie. Alors que j'avais ce qu'il fallait, et d'un coup, en fait, mon téléphone s'est coupé. Donc bon, bah voilà, hein. Et on s'est tapé une tempête. Je peux vous dire que mes enfants, ils ont eu peur. Clairement, Neil était mouillé alors qu'il y avait l'abus de pluie déjà. Bon, il n'était pas bien mis parce qu'il est vraiment pas compatible avec la poussette que j'ai. Donc il va falloir que j'aille en acheter un universel, bref. Et oui, Oda, il a fait pipi sur la laisse. Oui, bah c'est bien. Et on s'est tapé des rafales, mais si on n'a pas dépassé les 100 km/h, je comprends pas. Mais moi, qui est avec un certain poids, j'ai décollé du sol. On s'est pris ça, on s'est pris de la flotte. Là, on s'est pris trois douches d'un coup. Voilà. Donc j'ai fait très vite à rentrer et j'ai pas pu vloguer dès que je suis rentrée parce que j'ai séché les garçons et je les ai réchauffés, mis en pyjama. Et j'ai ma soeur qui nous a appelés pour souhaiter l'anniversaire de Bigoulen! Voilà, Miss Tinguette, bah, comme je vous ai dit plus tôt dans la journée, prenez 9 ans. Donc là, je vais aller faire un manger pour les gars. Parce que ce soir, mademoiselle a le privilège Je joue à la Switch. de manger avec nous pour une fois. Enfin, pour une Ah fois, non. Elle mange de temps en temps avec nous. Mais quand il fait. Voilà, enfin, le matin, elle est levée à 7 h. Donc le soir, elle mange et Avraglalette est dans son lit. Mais là, vu que c'est son anniv et que bah, son papa n'est pas là, et il rentre plus tard ce soir, bah, elle va le manger avec nous. Voilà. Oui. Kelly, tu peux aller voir où est Neil parce que je pense qu'il est parti dans ma chambre. Voilà, le blabla. Non, il regarde ma chambre. Tu te calmes, Kelly, merci. Les enfants, enfin les garçons vont manger haricots verts, roll de porc. C'est déjà prêt, j'ai juste à faire réchauffer. Mais si, c'est bon des légumes, ça donne des forces, ça fait comme chaise. Ça donne des muscles. Et bah voilà. Hein. Odin est dehors. Mais bah lui, c'est tout le temps en fait. Jour et nuit dehors. Neil, t'as pas trop été dans ma chambre? Je suis désespérée de ce temps. Je peux vous dire que même moi, là, j'ai le pantalon qui est mouillé. J'ai juste eu le temps de changer de t-shirt pour éviter que mes bronches soit touché pour éviter de rechoper une bronchite, mais je peux vous dire que mon haut, mon dos, était bien trempé. Et pour une fois, en plus, j'ai mis mon manteau. C'est un scoop. Je ne mets jamais de manteau, j'aime pas ça, ça me gâte. Oh, Neil, arrête de crier, on n'est pas sourd. Mais là, clairement, pour pouvoir. On a eu une coupure de courant. Bah parce que mon four clignote. Ça va être simple, je vais aller le voir. Apparemment, j'ai une coupure de courant. Ah ouais, j'ai une coupure de courant. Bon, bah ça devait être quand on était parti. Comment? Je ne sais plus ce que je disais. Bref, je sais plus, j'ai perdu le sujet. Neil sort de là, regarde, Oda, il a fait pipi sur la laisse, marche pas dessus. Viens par là. Non, stop!
Je sais plus ce que je vous disais du coup. Oui, je crois que c'était sur le repas. Les gars. Je sais plus. Bref, les garçons vont manger haricots verts. Haricots verts, rôles de pain. Voilà. J'ai cuisiné ça ce midi. Donc, eux, c'est déjà prêt. Ça va être vite fait réchauffer au micro-ondes. Et juste après, il faut que je prépare la préparation pour les gâteaux pour Kili. Voilà, Kili, elle va manger avec nous. Non, mais déjà, tu vas t'asseoir avec la soude dans les mains et certainement pas faire de la cuisine avec la soude dans les mains. Et je t'ai dit que pour l'instant, on faisait les gâteaux? Alors? Ah, du coup, voilà. Je vais faire ça vite fait, réchauffer. Et eux, je sais pas ce qu'ils vont manger ce soir. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire. Puis faire à manger en ce moment, ça me gave. Mais à l'heure royale. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. D'accord. D'accord, on a compris. Bref, je vais aller voir ce que je vais faire à manger. Bon, re-coucou tout le monde. Bon, il est 9h moins le quart. Et j'ai pas rangé du tout ma maison. Voilà, je te téléphone avec une copine. Et du coup, voilà. Bon, c'est pas non plus le bordel, hein, parce que j'avais déjà commencé à ranger, donc ça va. Mais voilà, j'ai encore la table des garçons qui est pas lavée. J'ai pas fait les cœurs coulants encore. Bon, ça, mais en même temps, ça se fait à la dernière minute. Et je sais toujours pas quoi faire à manger à Kili et Kevin. J'ai clairement pas d'idée. Pas du tout quoi leur donner. Oh, j'ai des spaghettis. Oh, ça me saoule. Je sais pas. Moi, je pense que je vais faire des spaghettis avec des œufs. Ou des spaghettis. Faut jouer avec la viande que j'ai, mais qui dit il peut pas manger de la viande trop dure. Ah bah attends. Oh bah oui, je sais ce que je veux faire. Je vais faire des spaghettis avec une sauce champignon. J'ai des boulettes de viande. Ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Et puis moi, je vais manger de la roëlle avec. Pour pas trop perdre la roëlle en fait. Et je vais me faire des pâtes comme ça en fait. J'ai acheté ça, il me reste un peu. Voilà. On va pas dire que c'est la fin du mois, mais Kili peut pas manger comme nous. Enfin, elle peut, mais il faut faire attention à ses dents. Donc automatiquement, je m'adapte. Donc voilà, donc là il faut que je nettoie là. Voilà, parce qu'en fait un rôle de porc il me reste tout ça. En fait c'est une très grosse rôle de porc, j'aurais dû la faire quand j'avais du monde. Mais j'ai pas fait. Et du coup là on va. Je vais essayer de pas. À ce qu'on la perde pas. Parce que bah voilà, pas payé pour rien non plus. Et puis voilà, il faut que je prépare aussi les papiers pour demain. Parce que comme je vous ai dit, demain, on a rendez-vous pour les papiers du véhicule, le nouveau véhicule qu'on va s'acheter. Donc bah voilà, il faut que je réunisse. Enfin normalement, donc déjà tous les papiers, puisque je les avais ramenés la dernière fois. Ça, il faut que je mette ça en tupperware. Mais
enfin ils ont toujours le don pour perdre un papier machin. Donc mon dossier est toujours prêt. Aïe. Mon dossier est toujours prêt, hein. Tout est ok. Mais faut que je le reprenne. Par contre, et il faut que j'y pense parce que je suis une grosse blonde malgré que j'ai fait une teinture hein, depuis. Mais j'oublie pas mal de choses. En ce moment, entre les rendez-vous, machin. C'est une cata. Donc je vais vous prendre comme ça sera mieux. Du coup ouais, j'oublie pas mal de choses. Là avec Kevin on a oublié, mais moi je suis persuadée qu'il m'en a pas parlé. Il est en formation lundi, mardi, mercredi, mais hors maison en fait. Du coup ça fait qu'il dort 2 jours à l'hôtel. Donc ça m'énerve, j'ai horreur quand Kevin n'est pas là. C'est un truc de dingue. Hop là. Je vous pose 2 secondes parce que ma casserole, faut que je puisse la porter à 2 bras. Et j'en ai qu'un qui est en service. Voilà. Donc du coup, je vous disais, Kevin. Enfin, moi j'ai horreur quand il dort pas à la maison. C'est une phobie gay, je sais pas. Bref. Donc là, je vais pas dormir pendant 2 jours. C'est super. Mais bon. C'est pas grave. Hein. Je dormirai mieux quand il sera là. Mais bon. Je pensais qu'il allait me tenir au courant parce que... Je sais pas, c'était comme si que la formation... Mais même lui, au boulot, il a pas eu de nouvelles. Donc c'était comme si que pour moi, il n'y avait pas de formation. Enfin bon, c'est bizarre. Bref. Ah, tout tombe. Je vais faire à manger. Là, ça va cuire tranquillement, puis ça restera au chaud le temps que Kevin rentre. Quand même. Un petit peu de beurre. Ça colle. Alors, je suis pas quelqu'un qui met du beurre tout le temps. Je vais vous poser là, ça sera mieux. Pour poser là où je vous ai posé hier. Du coup, ouais, je vous disais, je suis pas quelqu'un qui met du beurre tout le temps dans sa nourriture. La viande, je la cuis en matière grasse. Dans les pâtes, je mets pas de beurre. Enfin, je ne mets plus de beurre dans les pâtes. Maintenant c'est limite light. Oui bah va le lire. C'est ce que je te dis. En fait Kevin il m'a dit qu'il fallait que je vide les congélateurs. Je vide les congélateurs. C'est quoi son? Ah non c'est un reflet. Donc, là. Je vais refaire des boulettes de bœuf charal. Elles sont trop bonnes celles-là. Et elles tiennent bien la cuisson en plus. Hop, reviens. Oh, bien. Bon. Oh, bah pourquoi tu le tiens bon? En fait, j'ai la boîte qui est en train de reculer. Voilà. Ça va, ils tiennent bien la cuisson ceux-là, donc c'est super. Alors, toutes celles que j'ai déjà achetées, au final, qui tiennent à rien. Voilà. Audin, ta place. Ok. J'ai qu'une hâte là, c'est d'aller me coucher. J'ai très mal dormi cette nuit. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la journée, c'est comme si que mon subconscient était en route, vous savez, tout le temps ruminé, machin. Mon corps s'est reposé, hein, puisque les douleurs ont disparu ce matin.
enfin dans la nuit, mais ouais, mon subconscient, elle a pas arrêté de ruminer là. C'est ça, surtout hein, quand on a des enfants, c'est tout le temps comme ça. Ça va. Voilà, donc là je vais finir de débarrasser tout ce que j'ai à débarrasser là sur le plan de travail. Il n'y a plus grand chose et tout. Passer un petit coup d'aspi. Et je vais faire les cœurs coulants. Et je vous ferai voir juste après le rendu en fait. Voilà. La recette, au pire, je vous la mettrai sur en barre d'infos. Et puis. Je vous ferai voir. Là, il y a Kili qui vient libre. Merci, Mimi. Je vais en bibliothèque. Elle fait la collection à la maison, mais comme Max et Lily, ça fait des années que ça existe. Mais moi, étant jeune, je les ai tous faits. Et du coup, bah, la collection, elle est immense. Mais immense. Et bah du coup moi je lui en achète de temps en temps quand elle les mérite. Et bah les autres qu'elle a pas, elle les prend à l'école. Et c'est pareil, je voudrais qu'elle fasse une bande dessinée que moi je lisais étant gamine. Je sais plus le nom. C'est la famille Tom Tom, je crois. Enfin je sais plus. Bref. C'était pareil, c'était une bande dessinée super cool et tout. Moi j'ai adoré lire tout ça. Et je peux vous dire que quand j'ai quitté l'école pour passer au collège et qu'il n'y avait plus de bibliothèque comme je voulais, enfin bref, ça a fait drôle. Donc voilà, bon là je vais les débarrasser, il faut quand même que j'avance un peu. C'est pas le tout d'être au téléphone avec les copines, mais il y a le ménage aussi à faire. Et je vous fais voir la séquence fabrication de moelleux, enfin de cœur coulant, pardon. Et puis ça m'énerve aussi. J'ai une coupure de courant et depuis tout à l'heure j'ai mon four qui clignote. Voilà. Et je vous ferai voir le résultat et après j'irai me coucher parce que je suis claquée. Donc là je vous fais voir vite fait ma préparation pour les cœurs coulants. En fait vous savez, Kevin à Noël m'a offert le Cake Factory. Franchement c'est une machine au top, moi j'ai aucun souci avec pour le moment. Par contre je vois que il y a pas mal de problèmes de retour au SAV. Moi pas de souci, je l'ai depuis le 6 décembre je crois. Donc ce soir c'est ça comme dessert que je fais à Kili. Alors désolé mais j'ai pas trop de lumière là. Hop. Et voilà, et en fait il vous faut 3 œufs, 180 g de chocolat noir dessert. Et je vous avoue, prenez pas du chocolat premier prix. Moi j'ai du mal à faire avec ce chocolat là, mais le dessert de Nestlé il est au top. 150 g de beurre, 75 g de sucre et 45 g de farine. Et voilà, j'ai tout mélangé. Donc du coup voilà, là je vous ai posé histoire de pouvoir mélanger correctement mon beurre et mon chocolat. Donc là, voilà. Hop, 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 hop. Et il me faut un torchon parce qu'en fait, la plaque, elle est chaude. Merci. Et j'en ai un peu marre en ce moment de me cramer les doigts, clairement. Et vous voyez, en fait, il y a un plat directement fourni dans le... dans l'appareil. Ça coule bien en ce cas. Hop, voilà. À mettre tout de suite à tremper, c'est plus facile après pour nettoyer. Et je remélange le chocolat avec le reste de la préparation.
Tac, 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 tac. Par contre, ne pas oublier d'éteindre la machine. Parce que là, du coup, elle va continuer à chauffer pour rien. Je vous reprends les amis. Et voilà, du coup la préparation... Attendez, j'essaie de cadrer. Voilà, la préparation est prête, tout est bien mélangé. Et je vais les mettre dans le moule que j'ai... Ah, j'ai l'écran dans les bras. Dans les moules aussi. Voilà, qui était fourni. Alors oui, il y a un trou. Clairement, parce que moi en fait, quand je l'ai eu, il a eu pris un coup de cutter et il a été emballé et expédié. Et pour avoir un moule tout neuf, il aurait fallu que je réchange l'appareil, mais remonter sur Évreux et tout, et clairement j'avais pas le temps, donc du coup j'ai coupé le cercle parce que l'autre jour je l'ai rempli, et quand j'aurai le temps je passerai les commandes sur Amazon. Voilà, j'ai trop directement, c'est un moule qui coûte 13 €, c'est pas grave quoi, il y a pas meurt d'homme. Du coup les pâtes, les pâtes et les sauces, enfin les boulettes aux champignons sont en train de cuire. Et là, je vais remplir mes moules pour le gâteau. Et je vous ferai voir tout à l'heure, comment vous dire, je vais devenir méchante après. Voilà. Non, bon, c'est rien de bien méchant, mais vous allez voir. J'ai tout mélangé. Voilà. Mais je sais pas pourquoi je fais beaucoup de lumière. Je pense que parce que j'ai pas allumé la salle en fait. Oui, vas-y, s'il te plaît. Ça ira peut-être mieux parce que j'ai une ombre en plus, c'est agaçant. Ouais, c'est pareil. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai tout mélangé, bien incorporé et tout. Oula, je fais des bêtises. C'est pas grave, je nettoierai. Du coup, voilà, là j'ai mis le chocolat et le beurre. Alors dans le cake factory, on peut directement faire fondre en mettant en position chocolat à fondre pendant 13 minutes. Moi, clairement, je respecte pas les 13 minutes parce qu'après, le beurre commence à s'assécher et c'est horrible après pour le retravailler. Donc là, je vais mélanger. Par contre, je vais regarder ce que je fais pour éviter de refaire des conneries. Vous voyez, en fait, les chocolats se font hyper bien et tout avec le beurre. C'est un bon mélange. Hop. Alors, verdict de voir si c'était bien un cuir coulant. En tout cas, et on peut savoir où il est ? Qui ? Hein ? Ton équipier, il vient ? Magnifique.